Peggy 16. Noct, te tuer en tant que simple humain ne me servirait à rien. Revendique la force du cristal et deviens le roi de la lumière. Le bateau, vous voulez le prendre? Ouais, pourquoi? Hélas, il n'y en a pas. T'es sûr de ça? Libre à vous d'attendre, si vous voulez. Personnellement, j'ai mieux à faire. C'est peut-être à cause du traité de paix. Insomnia s'est effondré. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? La nuit dernière, la cérémonie du traité a viré au chaos. Quand la fumée des explosions s'est enfin dissipée, on a retrouvé le roi mort. Mais c'est quoi ce bordel? Où est-ce que vous êtes? On est près d'Insomnia, on peut pas rentrer! Normal. Normal? T'es sérieux là? Tu trouves que tout ça est normal? Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Où est mon père? Et Luna? Et pourquoi est-ce qu'on annonce que je suis mort? C'est normal ça? Pour ton père, c'est la vérité. Le Lucis perdait la guerre et Régis a joué ses cartes du mieux qu'il pouvait. Il a vu venir le coup à des kilomètres et il était bien décidé à se battre. En tant que roi, tu te dois de protéger ton peuple. Ah ouais? T'aurais dû dire ça à mon père. C'est n'importe quoi. Tout ce qu'il a fait, c'est protéger son propre fils. Noctis, jusqu'à quand joueras-tu au prince indolent? Alors pourquoi est-ce qu'il m'en a pas parlé? Il souriait quand on s'est dit au revoir! Dire que nul autre ne peut prétendre au titre. Tu es censé être le roi élu des dieux. Comment peux-tu être aussi faible et désemparé? Tu veux jouer? Mais au fait, j'y pense. Je crois bien que je ne vous avais pas donné mon nom complet. Ardyn Izzunyar. Pour vous servir. Le chancelier impérial. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je soutiendrai Noctis, aussi bien en tant qu'oracle qu'en tant qu'épouse. Ces garçons ne sont pas qu'une simple escorte. Ils sont comme des frères pour toi. Aie foi en eux, toujours. L'oracle et le roi se doivent d'entretenir de bons rapports. Le destin de ce monde dépend de leur synergie. Et devant vous tous, j'en fais le serment solennel. Je jure sur mon honneur d'oracle que les ténèbres seront repoussées et que la lumière perdue reviendra en ce monde. Les humains vénèrent les dieux pour leur miséricorde. Sans elles, les dieux ne sont dignes d'aucun respect. T'es trop irresponsable pour prétendre devenir roi un jour. Vas-y, répète ça. Mais arrêtez! Je sais très bien où j'en suis. Je suis pas fou! Alors essaie de le prouver! Arrête de faire le con! En aucun cas je ne vous demande d'éduquer mon fils, mais de prendre soin de lui du mieux que vous le pourrez. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'oublie jamais que tu représentes notre lignée. Garde la tête haute, mon fils.